arrivé après ce développement, eh bien, on avait trouvé que la vitesse pouvait s'écrire sous la forme dérivée de S, qui est l'abscisse curviligne du mobile sur sa trajectoire. Donc, dérivée de S par rapport au temps, multipliée par le vecteur UT, c'est-à-dire qu'on a confirmé ce qu'on avait déjà observé en coordonnées cartésiennes, c'est-à-dire que le vecteur vitesse a toujours la direction de la tangente à la trajectoire. Alors, cette mesure algébrique V, eh bien, c'est la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps, et c'est une quantité algébrique. Donc, si cette dérivée est positive, eh bien, le vecteur vitesse sera dans le sens du vecteur UT. Et si cette dérivée est négative, le vecteur vitesse sera dans le sens opposé. Évidemment, le vecteur UT est orienté de manière arbitraire, c'est-à-dire qu'on a choisi un sens positif sur la trajectoire et le vecteur UT sera orienté dans ce sens positif. Voilà. Alors, ensuite, on avait commencé à regarder une petite minute. Je regarde s'il y a quelqu'un qui attend. Oui. Alors, on avait ensuite entamé le paragraphe sur l'accélération. Donc, l'accélération, ben, on écrit que c'est la dérivée, le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Donc, on remplace V par le résultat qu'on vient d'obtenir, c'est-à-dire VUT, et on a un produit d'un scalaire par un vecteur à dériver. Alors, il se trouve que mon vecteur UT, eh bien, c'est un vecteur qui n'a pas une direction qui est fixe, puisque sur une trajectoire curviligne, eh bien, si je change de position, ici je suis à la position M, j'ai le vecteur UT. Si je me mets à une autre position, ben vous voyez bien que la direction de la tangente a changé. D'accord? Eh bien, ça veut dire que quand j'aurai à dériver ce produit, je vais d'abord dériver le premier terme. Donc, j'écris que c'est la dérivée de la mesure algébrique de V multipliée par UT, plus, alors, je garde le premier terme et je multiplie par la dérivée du second terme. Et ici, la dérivée du vecteur UT, qui est un vecteur unitaire, eh bien, cette dérivée n'est pas nulle parce que c'est un vecteur qui change de direction au cours du temps. C'est-à-dire qu'il a une direction qui varie avec le temps. Donc, je ne vais pas pouvoir dire que sa dérivée est nulle, il va falloir que je calcule cette dérivée. Alors, avant d'aller plus loin, on définit un deuxième vecteur unitaire que vous connaissez déjà, qui est le vecteur unitaire qui donne la direction de la normale à la trajectoire. C'est-à-dire que ce deuxième vecteur unitaire que je définis, il est perpendiculaire au vecteur UT. Alors, c'est un vecteur unitaire qui a comme propriété d'être toujours perpendiculaire à la direction de la tangente. Alors, ces deux vecteurs, c'est ce qu'on appelle des vecteurs tournants, parce que leur direction, c'est ce que je viens de dire il y a 2 minutes, leur direction change quand vous changez de position sur la trajectoire. Alors, je vous ai dessiné 2 positions. Alors, à cette position, j'ai la direction de la tangente et par conséquent la direction de la normale qui est toujours perpendiculaire à la tangente. Et j'ai dessiné à une autre position, eh bien, la nouvelle direction du vecteur UT et la nouvelle direction du vecteur UN. Donc, vous voyez bien que ce sont des vecteurs tournants. Quand vous êtes sur une trajectoire curviligne, la direction de la tangente change sans arrêt. Et par conséquent, la direction de la normale change aussi sans arrêt. Alors, ce qu'on va faire pour arriver à calculer cette dérivée du vecteur UT, c'est qu'on va écrire les deux vecteurs UT et UN, qui sont des vecteurs qui sont variables dans le temps, en tout cas variables en direction. Eh bien, on va les écrire en fonction de vecteurs unitaires qui, eux, sont toujours fixes. Alors, ces vecteurs unitaires,
c'est ce qu'on a vu en coordonnées cartésiennes. C'est le vecteur i qui sert d'unité sur l'axe OX et le vecteur j qui sert d'unité sur l'axe OY. Alors, on va écrire UT et UN en fonction de i et j. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand on travaille en coordonnées cartésiennes, si on veut écrire un vecteur en fonction de ses composantes cartésiennes, eh bien, on le projette sur les axes OX et OY. Donc, mon vecteur UT, vous voyez ici qu'il fait un angle θ avec la direction de l'axe OX. J'ai dessiné une direction ici en pointillé parallèle à l'axe OX. Donc, θ, c'est l'angle qu'il y a entre le vecteur, la direction du vecteur UT et la direction de l'axe OX. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce vecteur UT? Eh bien, je vais le décomposer. Sa projection sur l'axe OX, eh bien, ça sera module de UT multiplié par cosinus θ. D'accord? Ça, c'est le module multiplié par le vecteur I. D'accord? Désactivez vos micros si vous n'avez pas l'intention de parler, s'il vous plaît. Alors, la composante verticale du vecteur UT, eh bien, ça sera sa projection sur un axe vertical. Vous voyez, j'ai dessiné un axe en pointillé ici, un axe vertical qui est parallèle à l'axe OY. Donc, la projection de UT sur cet axe, eh bien, ça sera le module de UT par le sinus de l'angle θ multiplié par le vecteur J pour avoir un vecteur. Alors, j'ai donc UT égale à le module de UT, c'est 1, puisque c'est un vecteur unitaire. Donc, cosinus θ, ici pareil, le module de UT étant égal à 1, eh bien, je vais avoir UT égale cosinus θ i plus sinus θ j. Alors, je vous rappelle que l'angle θ va changer au cours du temps. Si je change de position ici, eh bien, l'angle que va faire la direction de la tangente avec l'axe OX, eh bien, va changer. Donc, il faut garder à l'esprit que θ est une fonction du temps. D'accord? Cet angle θ, il va varier au cours du temps. Donc, UT, qui a des composantes qui dépendent du temps, va être un vecteur qui va varier au cours du temps. Alors, qu'est-ce que je peux dire du vecteur UN? Alors, le vecteur UN, il fait un angle, alors par rapport à l'axe horizontal, il fait un angle θ plus pi sur 2. Alors, on va écrire que UN, c'est sa composante horizontale, c'est-à-dire UN cosinus θ plus pi sur 2i, plus sa composante verticale, donc module de UN, sinus θ plus pi sur 2j. Alors, on avait fait la transformation la dernière fois, le problème s'était posé, j'avais refait un dessin pour bien montrer que le cosinus θ plus pi sur 2, c'est moins sinus θ, et que le sinus θ plus pi sur 2, c'est cosinus θ. Alors, module de UN, c'est 1, cosinus de θ plus pi sur 2, c'est moins sinus θ. Pareil ici, module de UN, c'est 1, et sinus de θ plus pi sur 2, c'est cosinus θ. Alors, maintenant, ce qu'on a à calculer, nous, je reviens à l'expression de mon accélération. J'avais le premier terme qui ne me posait aucun problème. Je dérive la mesure algébrique du vecteur vitesse et je multiplie par UT. Et le deuxième terme, la mesure algébrique du vecteur vitesse multipliée par cette dérivée de UT. Alors, c'était ce terme-là qui me posait problème et donc je suis en train de trouver un moyen d'écrire cette dérivée du vecteur UT par rapport au temps. Alors, je l'écris ici. Eh bien, cette dérivée de UT, donc je reprends mon expression de UT, la dérivée de cosinus θ par rapport au temps, c'est la dérivée de cosinus θ par rapport à θ multipliée par la dérivée de θ par rapport au temps. Donc, la dérivée de cosinus θ par rapport à θ, c'est moins sinus θ.
et je multiplie par dθ sur dti. La dérivée de sinus θ par rapport au temps, c'est la dérivée de sinus θ par rapport à θ multipliée par la dérivée de θ par rapport au temps. Donc, cosinus θ, ça c'est la dérivée de sinus θ par rapport à θ, et je multiplie par la dérivée de θ par rapport au temps. Alors, ce qu'on remarque, c'est que si on met dθ sur dt en facteur, eh bien, on tombe sur dθ sur dt, facteur 2, moins sinus θ i plus cosinus θ j, c'est-à-dire que je tombe sur dθ sur dt multiplié par cette expression, c'est-à-dire dθ sur dt multiplié par le vecteur un. Voilà, alors c'est un résultat très intéressant et qui va toujours se retrouver. Quand vous prenez un vecteur unitaire qui est un vecteur tournant, qui varie au cours du temps, quand vous le dérivez, eh bien, ça revient à faire une rotation de pi sur 2 par rapport à sa direction, à la direction de ce vecteur. Donc, vous dérivez ut, vous tombez sur la direction de un. D'accord ? Vous avez fait une rotation de pi sur 2 par rapport à la direction initiale du vecteur ut. Alors, je réécris donc mon expression que j'ai notée avec une étoile ici. Donc, le premier terme ne change pas. Le deuxième terme, à la place de dut sur dt, je vais écrire dθ sur dt, un. D'accord ? Donc, j'ai une première composante qui va avoir la direction de la tangente et une deuxième composante qui va avoir la direction de la normale. Alors, on ne va pas s'arrêter là. Il faut qu'on arrive à écrire ça d'une manière qui nous permette d'avoir accès à des grandeurs physiques qu'on peut mesurer. Alors, on va considérer, pour chercher ce terme dθ sur dt, que pour le moment on ne connaît pas, eh bien, on va prendre deux positions très très proches l'une de l'autre, une position à un instant t et une position à un instant très proche de t, donc t' égale t plus dt, c'est-à-dire un intervalle de temps très très petit, tellement petit que je ne vais pas l'appeler delta t, mais dt. Alors, voilà donc ces deux positions, donc m à l'instant t, m' à l'instant t'. Une petite minute. Voilà. Alors, j'ai donc une position M à l'instant T, une position M' à l'instant T plus DT. Bon, je vous ai dit que l'intervalle de temps DT est très, très petit, c'est-à-dire que les deux positions M et M' sont très proches. Mais là, pour que vous puissiez bien comprendre comment est l'orientation des vecteurs, ce qui se passe du point de vue des angles, etc., j'ai exagéré l'écart qu'il y a entre le point M et le point M'. D'accord ? En réalité, M et M' sont extrêmement proches l'un de l'autre. Alors, je cherche donc ce qui se passe. Qu'est-ce qui va changer entre la position M et la position M'? Eh bien, déjà, les vecteurs unitaires, l'orientation des vecteurs unitaires va changer. J'ai ici à M, j'ai la direction de la tangente qui donne UT, la direction de la normale UN. À la position M', donc à l'instant T', eh bien, j'ai une nouvelle direction pour UT et une nouvelle direction pour UN. D'accord ? Alors, il se trouve que les deux directions de la normale, eh bien, elles vont, les deux directions données par les vecteurs UN, à la position M et à la position M', eh bien, comme les vecteurs ont changé d'orientation, eh bien, ces deux normales vont se couper quelque part. Alors, ce point d'intersection entre les normales, on l'appelle le centre de courbure. Alors, je l'ai noté C,
Donc, ce point, ça va être le point de rencontre des deux normales, alors la normale au point M et la normale au point M', qui vont se couper au point C. Alors, ce point C, je l'appelle le centre de courbure. Alors, je reviens maintenant à mon terme dθ sur dt que je suis en train de chercher. Alors, je vais essayer de l'écrire en fonction de choses que je peux voir d'un point de vue géométrique sur cette figure. Alors, je vais dire que la dérivée de θ par rapport au temps, j'ai le droit de dire que c'est la dérivée de θ par rapport à s multipliée par la dérivée de s par rapport à t. Je ne change rien à cette dérivée si j'introduis une variable intermédiaire. Alors, vous reconnaissez ici, quand j'écris ça, c'est comme si j'avais pris dθ sur dt et que je l'avais multiplié en haut et en bas par ds. D'accord? Donc, j'ai ds en haut et ds en bas. Alors, ce que ça fait apparaître, eh bien, c'est ce terme ds sur dt. Et ce terme ds sur dt, ben, on vient de revoir que c'est la mesure algébrique du vecteur vitesse. Donc, j'ai déjà que cette dérivée de θ par rapport au temps, eh bien, c'est la vitesse multipliée par la dérivée de θ par rapport à s. Alors, il se trouve que mes points M et M' sont très, très proches l'un de l'autre. D'accord? Donc, si je regarde l'angle que fait la direction de UT avec la direction de l'axe OX ici, c'est θ. Au point M', eh bien, UT a changé d'orientation. Le nouvel angle, c'est θ plus dt. Alors ici, comme j'ai beaucoup exagéré la distance entre M et M', eh bien, la différence entre les deux angles θ et θ plus dθ, elle est un petit peu exagérée ici. En réalité, la différence, elle est très petite. Alors, cette différence, eh bien, on la retrouve ici. C'est-à-dire, si vous prenez cet angle et que vous lui retranchez celui-là, alors, je vais vous montrer ça. Voilà à peu près la direction de la tangente ici. D'accord? Vous êtes d'accord que ça, c'est la direction de la tangente. Donc, je vais ramener ça au point M. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, c'est que j'ai ici l'angle qu'il y a entre l'ancienne direction de UT, c'est-à-dire la direction de UT au point M, et l'axe OX, eh bien, c'est θ. Et tout ce qui dépasse ici, eh bien, c'est l'angle dθ. Alors, cet angle dθ, qu'est-ce qu'il a de commun avec l'angle sommet ici? Eh bien, c'est que je parle de cet angle-là, hein, ce côté est perpendiculaire à celui-là et ce côté est perpendiculaire à celui-là. C'est-à-dire que cet angle, qui est l'angle dθ, est égal à celui-ci. Donc, je peux appeler cet angle-là que j'ai représenté en bleu, je peux l'appeler dθ. C'est bon? Alors, je vais supprimer cette direction que j'ai rajoutée pour vous montrer l'égalité des deux angles. Est-ce que c'est clair? L'égalité des angles. C'est bon? D'accord. Alors, j'enlève ça. Alors, cet angle dθ étant très petit, alors pourquoi est-ce qu'il est très petit? C'est parce que l'intervalle de temps dt est tellement petit que les points M et M' sont très proches l'un de l'autre. Eh bien, ça implique que cet angle dθ va être très petit. Alors, si l'angle dθ est petit, eh bien, on a le droit d'assimiler
ce bout de trajectoire, l'arc MM', je peux considérer cet angle, cet arc comme un arc de cercle. Alors, un cercle de centre C et de rayon CM ou CM', si mes deux points M et M' sont très proches l'un de l'autre, eh bien, les distances CM et CM' vont être quasiment égales. Alors, ces distances CM, CM', je les appelle ρ. ρ, c'est ce qu'on appelle le rayon de courbure. Et je vais maintenant pouvoir écrire que l'arc MM', qui est aussi DS, qui est la variation d'abscisse curviligne entre l'instant T et l'instant T plus DT, donc DS, égale à la mesure algébrique de MM', donc j'ai mis l'arc MM' égale DS, égale, alors quand vous avez sur un cercle un arc qui est intercepté par un angle θ, eh bien, la longueur de l'arc, c'est le produit du rayon du cercle par l'angle. Eh bien, ici, puisque j'assimile ce petit arc MM' à un arc de cercle de centre C et de rayon ρ, eh bien, je vais dire que la longueur de l'arc MM', c'est ρ multiplié par dθ. Autrement dit, je reviens ici à mon expression de dθ sur dt. Le rapport dθ sur ds, alors je ramène le ds ici et le ρ à gauche. Je vais avoir le ds qui passe au dénominateur et ρ qui passe au dénominateur à gauche. Donc j'ai dθ sur ds égale à 1 sur ρ. ρ étant le rayon de courbure de la trajectoire à cet endroit, c'est-à-dire à proximité des points M et M'. Alors, j'écris, je vais donc remplacer dθ sur ds par 1 sur ρ et je vais avoir la dérivée de θ par rapport au temps égale à V sur ρ. Alors, je reviens à mon expression ici. Alors, je viens d'écrire que dθ sur dt, c'est V sur ρ. Eh bien, ça veut dire que l'accélération, c'est dérivée de V par rapport au temps ut, plus V multiplié par V sur ρ, c'est-à-dire V au carré sur ρ, un. Alors, voici l'expression. Alors, la composante qui est donnée par la direction du vecteur ut, eh bien, c'est ce qu'on appellera la composante tangentielle. Donc, at égale dérivée de v par rapport, dérivée de la mesure algébrique de v, hein, par rapport au temps ut. Alors, on l'écrit at ut, c'est la composante tangentielle de l'accélération. Le at ici, c'est la mesure algébrique du vecteur at. Et an égale à v au carré sur ρ un, donc an un, an étant la mesure algébrique du vecteur an, eh bien cette composante an, c'est la composante normale de l'accélération. Alors je vous ai fait un dessin ici, voici les directions en rouge des vecteurs unitaires ut et un, voici mon vecteur accélération, je vous rappelle que le vecteur accélération est toujours tourné vers la concavité de la trajectoire, donc vers l'intérieur du creux. Et je vais avoir, si je décompose ce vecteur A suivant une direction tangente et une direction normale, eh bien vous avez la composante AT et la composante AN. Alors, AT, c'est la composante tangentielle, AN, c'est la composante normale. Et les deux ensemble, c'est ce qu'on appelle les composantes intrinsèques de l'accélération. Alors, bien entendu, comme ce sont des vecteurs qui sont perpendiculaires à T et à N, eh bien, je vais pouvoir écrire que le module de A, c'est la racine carrée de AT carré plus AN carré. Madame, voilà. Oui ?
Vous pouvez répéter la relation de deux étoiles. La relation des étoiles. À partir d'où? À partir d'où? Deux étoiles. À partir. Deux étoiles. À partir d'ici? Non. Ici, voilà. Ici? Ici? Oui. D'accord. Ok. Alors, vous êtes. Je reprends. Hein. On était arrivé à ce résultat. D'accord? Une fois qu'on a. Je reviens au début. Hein. L'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Le vecteur vitesse est donné par ce produit. Donc, on a dérivé, on s'est retrouvé avec la dérivée d'un vecteur unitaire ut. On s'est rendu compte que cette dérivée, c'était dθ sur dtun. Et on s'était retrouvé, la relation de deux étoiles, c'est une composante tangentielle qui est évidente. C'est la dérivée de la mesure algébrique de v par ut. Et une composante normale. Alors, dans cette composante normale, le terme qu'on ne connaît pas, on connaît V, on connaît UN, le terme qu'on ne connaissait pas, c'était dθ sur dt. Alors, on a donc écrit ça en fonction, en introduisant la variable S qui est l'abscisse curviligne, et on était arrivé à écrire que dθ, alors, dθ sur dt, on a dit que c'était v dθ sur ds. On est arrivé au résultat que dθ sur ds, c'est 1 sur rho. C'est bon? Alors, je reprends mon expression de dθ sur dt, donc v multiplié par dθ sur ds, et je viens de démontrer que dθ sur ds, c'est 1 sur rho. Autrement dit, la dérivée de θ par rapport au temps, c'est v sur rho. Alors, on va mettre une étape intermédiaire, d'accord? Donc, j'écris. Voici mon expression deux étoiles. Hein. Je la réécris ici. Voilà. Qu'est-ce qui me manque? Oui, il me manque ça. Madame. Oui, une petite seconde. Hein. J'ai. Ah, flûte. Bon, je vais le réécrire. Hein. Donc, c'est V multiplié par dθ sur dt. Oula, oui, d'accord. Je comprends. Alors, je réécris donc à la place de dθ sur dt, je vais écrire v sur rho. D'accord? Donc, je vais avoir la place de dθ sur dt. Alors, j'écris que c'est
avez sur vous. Voilà. Est-ce que c'est bon cette fois? Je n'ai fait que remplacer ce terme-là, dθ sur dt, par le résultat que j'ai obtenu ici, dθ sur dt égale à v sur rho. Donc, vous avez v multiplié par v sur rho, c'est-à-dire v au carré sur rho. Est-ce que c'est plus clair là? Merci, madame. D'accord. Ça a été laborieux. Voilà. Alors, oui, je vous écoute. Pourquoi dθ égale à... Ah, pourquoi ds égale à dθ fois rho? Pourquoi ds? Ah, ben parce que quand vous avez sur un cercle, alors je vais mettre ça à la fin. Alors, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, alors si je prends je vais prendre un angle quelconque, voilà, un angle θ. Mettre ça. Voici mon angle θ, d'accord? Si vous voulez avoir la longueur de cet arc, vous faites quoi? Alors, c'est un cercle de rayon R. Vous avez un angle θ. Eh bien, cet arc de cercle ici, de ce point à celui-là, eh bien, vous avez vu en géométrie que c'était le produit du rayon par l'angle. Donc, c'est R multiplié par θ. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Alors, on revient. Les deux points M et M' sont tellement proches l'un de l'autre que les distances CM et CM' sont quasiment égales et que l'arc MM', je vais pouvoir dire que c'est comme si c'était un arc de cercle. Alors, ce cercle, il est comment? Eh bien, ce cercle, il a pour centre C, il a pour rayon CM ou CM' que j'ai appelé rayon de courbure rho. Donc, si je veux avoir la longueur de cet arc MM', eh bien, je fais le produit du rayon qui est rho par l'angle qui est dθ. Est-ce que c'est plus clair? Ah, d'accord, oui, madame. Voilà. Alors, une remarque à propos de ce rayon de courbure, c'est que le rayon de courbure sur une trajectoire quelconque, sur une trajectoire curviligne, eh bien le rayon de courbure, il va changer à chaque fois que vous allez changer d'emplacement sur la trajectoire. Alors, je vous ai dessiné ici les différents deux rayons de courbure différents sur une même trajectoire. Alors, je vous rappelle comment on a fait pour trouver le rayon de courbure. On a pris deux points très proches l'un de l'autre. On a tracé les directions alors des tangentes et par conséquent les directions des normales, d'accord? Et le rayon de courbure, eh bien, c'était le rayon du cercle de centre C et de rayon CM ou CM'. Eh bien, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai pris deux points très proches l'un de l'autre, j'ai tracé les tangentes, les normales, leur point d'intersection me donne le centre de courbure, juste pour cette petite région, et vous voyez que le rayon de courbure, c'est le rayon du cercle de centre C, qui a pour rayon les deux normales à la trajectoire à la partie de la trajectoire que j'ai ici. Donc, le rayon de courbure, c'est le rayon d'un cercle
qui a une partie commune avec la trajectoire. C'est-à-dire que sur chaque petite partie de la trajectoire, vous allez considérer cette petite partie de la trajectoire comme un arc de cercle. Et le rayon de ce cercle, c'est ce qu'on va appeler le rayon de courbure. Alors, vous voyez bien ici, j'ai changé de région sur la trajectoire. Donc, j'ai deux nouvelles directions pour la normale, un nouveau centre de courbure, un nouveau rayon de courbure. Voilà. Donc, il faut garder à l'esprit que le rayon de courbure, c'est quelque chose qui n'est pas défini de manière unique pour toute la trajectoire. À chaque fois que vous allez changer de portion de trajectoire, vous allez définir un nouveau rayon de courbure. C'est bon? Est-ce que c'est clair cette histoire de rayon de courbure qui va changer à chaque fois que vous allez changer d'emplacement sur la trajectoire? Oui, madame. D'accord. Alors, on va faire une application de tout ce qu'on vient de voir à un mouvement que vous connaissez bien, qui est le mouvement circulaire. Alors, dans le mouvement circulaire, eh bien, ce qu'il a de particulier, le mouvement circulaire, eh bien, c'est que justement, le rayon de courbure est le même. D'accord? J'ai un rayon de courbure qui est constant et qui est le rayon du cercle. Alors, on va reprendre toutes les notions qu'on a vues depuis le début. On va commencer par l'abscisse curviligne. Alors, quelle est l'abscisse curviligne sur un cercle? Alors, je suis obligée de choisir une position initiale, c'est-à-dire M0, ça sera ma position à l'instant t égale 0, et je vais repérer toutes les autres positions par rapport à celle-là. Donc, mon abscisse à l'instant t, ma position, la position du mobile, c'est le point M. Eh bien, son abscisse curviligne à ce point M, ça sera la mesure algébrique de l'arc M0, M. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que M0, M? Eh bien, c'est le produit du rayon par l'angle θ. Donc, sur un mouvement circulaire, l'abscisse curviligne, c'est S égale Rθ. Alors, le vecteur position, qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, le vecteur position, on voit tout de suite qu'il va avoir la direction du rayon, c'est-à-dire la direction du vecteur UN. C'est bon? Puisque UN est toujours perpendiculaire à UT, que UT a la direction de la tangente, eh bien vous voyez tout de suite que la direction de la normale sur un cercle, ce sera toujours la direction du rayon. Parce que sur un cercle, la tangente au cercle est toujours perpendiculaire au rayon, donc ça vous donne à l'inverse la direction du vecteur UN. Alors, faut pas oublier que le vecteur UN est ici orienté vers le centre du cercle. D'accord? Alors, oui, j'ai juste oublié de vous dire que j'ai choisi un sens positif sur cette trajectoire et que donc le vecteur IT, il va être à chaque fois dans ce sens-là. D'accord? Il va tourner dans le sens trigonométrique. Alors, le vecteur UN, qui est toujours perpendiculaire au vecteur IT, est ici orienté vers le centre du cercle. Et donc, mon vecteur position O, M, alors qu'est-ce qu'il va avoir de particulier? C'est qu'il va avoir pour module le rayon du cercle. Il va avoir pour sens, alors pour direction, eh bien la direction du rayon, c'est-à-dire la direction du vecteur UN. Et pour sens, eh bien, OM va du centre vers le point M, alors que le vecteur UN, il va du point M vers le centre. Donc, le sens du vecteur position est opposé au sens du vecteur UN.
C'est-à-dire que quand j'écris la relation entre les deux, eh bien, j'aurai OM égale à moins RUN. C'est bon? R étant le module de OM, le signe moins indique que OM est de sens opposé à UN. D'accord? Et la relation OM égale moins RUN indique bien que le vecteur position a la direction de la normale. Est-ce que c'est bon pour le vecteur position? Ça va? D'accord. Alors, on passe au vecteur vitesse. Alors, le vecteur vitesse, on a dit que c'était la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps multiplié par le vecteur unitaire UT. Alors, qu'est-ce que c'est que cette abscisse curviligne sur un cercle? Eh bien, on vient de voir que sur un cercle S, c'est Rθ. Eh bien, ça veut dire que la dérivée de S par rapport au temps, ça va être la dérivée de Rθ. R étant constante, eh bien, ça sera R dθ sur dt. Alors, qu'est-ce que c'est que dθ sur dt? La dérivée de l'angle par rapport au temps, eh bien, c'est ce qu'on appelle la vitesse angulaire. Alors, on la note oméga. Donc, j'ai V égale à R oméga UT. Alors, oméga, j'ai juste oublié de dire quelle était son unité. Alors, c'est en radian par seconde. D'accord? Donc, V, le vecteur V, il a pour direction la direction de la tangente et il a pour mesure algébrique R oméga. Donc, R, le rayon du cercle, oméga, la vitesse angulaire de notre module. Madame. Oui. Madame, ici, le V garde toujours mètres par seconde, c'est pas… Ah oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, le vecteur accélération maintenant. Alors, le vecteur accélération, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que c'était, je reviens à mon expression, la dérivée de V, UT, plus V au carré sur Rho, UN. Alors, je vous rappelle qu'on est sur un cercle de rayon R, donc le rayon de courbure, c'est R. Hein, d'accord? Alors, je redescends et j'écris que c'est la dérivée de la mesure algébrique de V. La mesure algébrique de V, on a trouvé que c'était R oméga. Donc, la dérivée de R oméga UT plus V au carré sur R. Le V, c'est R oméga. D'accord? Donc, R oméga au carré sur R. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne R dérivée de oméga UT. Et de ce côté, R carré, oméga carré sur R, donc R oméga carré UN. C'est bon? Alors, qu'est-ce que c'est que cette dérivée de la vitesse angulaire? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'accélération angulaire. Alors, j'ai oublié de mettre l'unité. C'est en radian par seconde au carré. Voilà. Donc, l'accélération va avoir deux composantes. Une composante tangentielle qui sera égale à R alpha, alpha étant l'accélération angulaire, plus R oméga carré, UN, qui sera la composante normale de l'accélération. Alors, je vous ai dessiné ici les vecteurs vitesse et accélération, donc la vitesse qui est toujours tangente à la trajectoire, donc qui est portée par la direction du vecteur UT. Le vecteur A qui a une composante tangentielle et une composante normale. D'accord? Alors, cas particulier, si le mouvement est circulaire uniforme. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le mouvement circulaire uniforme? C'est que le module de sa vitesse est constant. Ça veut dire que sa vitesse angulaire est constante, donc ça veut dire que son accélération angulaire est nulle. Donc, si le mouvement est circulaire uniforme,
eh bien, j'ai ce terme-là qui disparaît et l'accélération, elle n'a que la composante normale, il n'y a pas de composante tangentielle. Donc, vous voyez bien que la composante tangentielle de l'accélération, elle vous donne une indication sur la variation du module de la vitesse du mobile, d'accord? Du module de la vitesse, alors que l'accélération normale, eh bien, elle existe toujours. Elle vous donne une indication sur le changement de direction du vecteur vitesse. Voilà. Est-ce Madame, que... Oui? Oui, je vous comment on trouve écoute. Oméga? Comment on trouve oméga? Ben, c'est la dérivée de l'angle. Vous voulez dire comment est-ce qu'on sait quelle est la valeur de oméga? Ben, généralement, c'est le nombre de tours par seconde, ça vous donne la vitesse angulaire. Quand vous avez un objet en rotation, eh bien, sa vitesse angulaire, eh bien, c'est lié au nombre de tours que peut faire cet objet par seconde. Donc, c'est la manière dont l'angle varie au cours du temps. Et l'accélération angulaire, eh bien, c'est une indication sur la manière dont la vitesse angulaire va varier au cours du temps. Madame, Oui. Oui. on est pour la circulation uniforme. Pourquoi on a éliminé R fois alpha fois UT? D'accord. Alors, mouvement, je vais l'écrire ici, hein. Alors, si le mouvement est circulaire uniforme, Madame, s'il vous plaît. oui. Madame, que représente Alpha? Alpha, c'est l'accélération angulaire. D'accord. Bon, je vais l'écrire ici, hein. Voilà, comme ça j'aurai assez de place. Alors, pourquoi est-ce que si le mouvement est circulaire uniforme, ça se réduit à la composante normale? Eh bien, on va l'écrire, hein. Alors, mouvement circulaire uniforme. Oui. Alors, mouvement circulaire uniforme, c'est quoi? Eh bien, ça veut dire que j'ai le module de la vitesse. Alors, le module de la vitesse est constant. Or, c'est comme ça qu'on définit un mouvement circulaire uniforme. Donc, si le module de la vitesse est constant, eh bien, on va aller chercher quel est le module de la vitesse à partir de l'expression de V. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a puisque V est égal à R oméga UT. D'accord? Eh bien, je vais pouvoir dire que le module de V, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, hein. Voilà. Alors, le module de V, eh bien, ça sera R multiplié par le module
de oméga. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est bon ou pas? Alors, mouvement circulaire uniforme, ça veut dire que le module de la vitesse est constant. V, je sais que c'est R oméga UT. Donc, si le module de V est constant, ça veut dire que le module de ce vecteur est constant. Ça veut dire que R multiplié par le module de oméga est constant. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique que la dérivée de oméga sur dt est une quantité qui est constante. D'accord? Donc, j'ai d oméga sur dt égale constante. Et puisque, pardon, excusez-moi, pas constante, ça veut dire égale zéro. Oui. Puisque, d'accord, puisque cette quantité-là doit être égale, je ne sais pas pourquoi j'ai effacé, cette quantité-là doit être constante, ça veut dire que le module de oméga doit être constant, ça veut dire que la dérivée du module de oméga doit être nulle. Et si d oméga sur dt égale 0, j'ai défini l'accélération angulaire comme étant la dérivée de oméga par rapport au temps. Eh bien, si cette dérivée est nulle, ça veut dire que l'accélération angulaire est nulle. Or, la composante tangentielle de l'accélération, c'est r multiplié par cette accélération angulaire. Est-ce que vous avez compris? Ce oui, qui fait bien. Que… C'est bon? C'est plus clair? Ok. Merci. De rien. Bon, je peux supprimer ça, oui. Madame, l'accélération angulaire, est-ce qu'elle est donnée, est-ce qu'elle est calculée ou est-ce que... Ah oui, l'accélération angulaire est donnée. Ben, sinon, alors, soit elle est donnée directement, soit vous pouvez la calculer à partir de l'accélération tangentielle, si vous avez l'accélération tangentielle. Je vous rappelle que on écrit que ça revient à dire que l'accélération c'est ATUT plus ANUN, d'accord? Puisque j'ai remplacé cette composante par ATUT et cette composante par ANUN. Eh bien, si vous avez l'accélération tangentielle, sachant que c'est la même chose que R alpha, eh bien, ça veut dire que alpha, c'est l'accélération tangentielle divisée par R. D'accord? Donc, soit on vous la donne, soit on vous dit l'accélération angulaire, c'est ça, soit on vous donne l'accélération tangentielle, et sachant que la composante tangentielle de l'accélération, c'est AT ou R alpha, vous avez deux façons différentes de l'écrire, donc alpha, c'est AT sur R. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, madame, merci. De rien. Alors, on va passer au dernier type de composantes. Ça va être les composantes polaires. Alors, ceux qui ont fait une terminale maths ont certainement vu et que les terminales sciences n'ont peut-être jamais vu. Alors, on va reprendre ça, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que les composantes polaires? Alors, on va redéfinir toutes les grandeurs qu'on a vues jusqu'à maintenant. Donc, le vecteur position, le vecteur vitesse, le vecteur accélération, écrit cette fois-ci en coordonnées polaires. Alors, qu'est-ce qu'on doit définir
Tout à l'heure, on a vu que pour pouvoir parler des coordonnées intrinsèques, on a eu besoin de définir deux directions qui étaient la direction de la tangente et la direction de la normale. Eh bien ici, on va définir deux nouvelles directions, la direction radiale et la direction transversale. Alors, on va définir un vecteur UR, alors R comme radial, et ce vecteur UR, ce qu'il va avoir de particulier, c'est qu'il va toujours donner la direction radiale. Alors, radial, c'est un mot de la même famille que rayon. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette direction? C'est qu'elle est toujours pointée vers la position M. Donc, si sur une trajectoire, vous avez un point que votre objet se trouve à l'instant T à la position M, eh bien, la direction radiale, ça sera la direction qui va de l'origine. Alors, on a besoin de définir une direction fixe qui est l'axe X, une origine, et la direction radiale, elle est toujours donnée du point de notre origine vers la position à laquelle on se trouve. C'est-à-dire que le vecteur UR, il est toujours pointé vers la position M à l'instant T. Alors, la position M, elle va être définie par deux coordonnées qu'on appelle les coordonnées polaires. Alors, ces deux coordonnées, c'est R et θ. Alors, R, c'est quoi? R, eh bien, c'est le module, c'est la distance qu'il y a entre l'origine et la position actuelle. Donc, R, c'est le module du vecteur OM. Et l'angle θ, eh bien, c'est l'angle que fait le vecteur UR avec la direction OX. D'accord? Alors, j'aurais dû. Oui, c'est bon. Alors, θ, c'est donc l'angle qu'il y a entre le vecteur I, qui est ma direction de référence, ma direction fixe, et mon vecteur OM, qui est le vecteur position. C'est-à-dire que θ, c'est l'angle qu'il y a entre le vecteur I et le vecteur UR, puisque le vecteur UR a toujours la direction et le sens du vecteur position. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon vecteur position, eh bien, je peux l'écrire comme étant le produit de R, cette coordonnée polaire qui est R, qui est le module du vecteur OM, multiplié par le vecteur UR, puisque UR a toujours la direction de OM. Donc, je peux écrire le vecteur position uniquement en fonction de ce vecteur UR. C'est bon? Donc, les coordonnées polaires du point M, c'est R. J'ai oublié de mettre le R. Je vais rajouter. Voici R, c'est. Voilà, c'est la distance OM. Bon, peu importe, je le ferai plus tard. Voilà, donc pour le vecteur position. Alors, on passe au vecteur vitesse. Alors, le vecteur vitesse, eh bien, il n'y a rien de nouveau, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Alors, comme le vecteur position, c'est le produit RUR, eh bien, je vais avoir à dériver ce produit. Alors, encore une fois, ce vecteur UR, eh bien, il va avoir la même propriété que les vecteurs UT et UN qu'on a vus en coordonnées intrinsèques. C'est que
Si jamais je change de position, si je me mets ici à un point M', vous voyez bien que la direction radiale va changer. C'est-à-dire que mon vecteur UR est un vecteur tournant. À chaque fois que je change de position sur la trajectoire, la direction radiale change, donc le vecteur UR tourne. Alors, pour arriver à calculer donc la dérivée de ce produit d'un scalaire R par un vecteur UR, eh bien j'applique la règle de dérivation d'un produit. Donc je dérive R et je multiplie par UR, plus je garde R et je multiplie par la dérivée de UR. Et comme UR est un vecteur tournant, eh bien cette dérivée de UR par rapport au temps est différente de zéro. Forcément, puisque le vecteur UR change de direction, donc sa dérivée est différente de zéro. Alors, pour arriver à calculer cette dérivée, eh bien, on va faire le même travail que ce qu'on a fait la dernière fois avec les vecteurs UT et UN quand on a eu à les dériver. Eh bien, on va écrire UR en fonction des vecteurs unitaires I et J, parce que les vecteurs I et J sont des vecteurs qui ont des directions fixes et on va pouvoir donc dériver UR plus facilement. Alors, qu'est-ce que c'est que UR? Donc, UR, je le décompose sur un axe OX et un axe OY. Donc, il va avoir une composante horizontale qui sera module de UR cosinus theta I, et une composante verticale qui sera module de UR sinus theta J. C'est bon? Alors, comme le module de UR vaut 1, eh bien j'aurai cosinus theta I plus sinus theta J. Et je vais définir un deuxième vecteur unitaire, Uθ, qui va me donner la direction transversale ou orthoradiale. Alors, ortho, ça veut dire perpendiculaire. Donc, une direction qui est perpendiculaire à la direction radiale. Alors, voici ce vecteur Uθ. Alors, comment est-ce que je peux l'écrire, ce vecteur Uθ? Eh bien, ça sera... alors, sa composante horizontale qui sera Uθ... cosinus, alors le Uθ, le vecteur Uθ fait un angle avec l'axe X qui sera θ plus pi sur 2, d'accord? Donc sa composante horizontale, ça sera module de Uθ cosinus θ plus pi sur 2 i. Et sa composante verticale, ça sera module de Uθ par sinus θ plus pi sur 2 j. Et voilà, d'accord? Donc, module de Uθ, il y a une erreur ici. Dans l'indice, c'est Uθ. Hein. Voilà. D'accord? Donc, module de Uθ, cosinus θ plus pi sur 2i, plus... module de Uθ, sinus de θ plus pi sur 2, j. Et comme le cosinus de θ plus pi sur 2, c'est moins sinus θ, et que le sinus de θ plus pi sur 2, c'est cosinus θ, eh bien, je vais écrire que le vecteur Uθ, c'est moins sinus θ i plus cosinus θ j. C'est bon? Alors, je résume la situation. J'ai mon vecteur UR qui s'écrit avec ses composantes cartésiennes, donc cosinus theta i plus sinus theta j. Mon vecteur Uθ qui s'écrit grâce à ses composantes cartésiennes, moins sinus theta i plus cosinus theta j. Et maintenant, je reviens à mon expression de la vitesse où j'ai besoin de dériver le vecteur UR par rapport au temps. Alors, ma dérivée de UR par rapport au temps, c'est la dérivée, j'aurais écrit mon vecteur UR. Alors, la dérivée de la première composante, c'est moins sinus θ dθ sur dti.
je vous rappelle que je dérive cosinus θ par rapport à θ et que je multiplie par la dérivée de θ par rapport au temps. Et la dérivée de la deuxième composante, c'est la dérivée de sinus θ par rapport à θ multipliée par la dérivée de θ par rapport au temps. Donc, cosinus θ, dθ sur dθ. Alors, je mets dθ sur dθ en facteur. Je vais avoir moins sinus θ i plus cosinus θ j. Et je reconnais ici, à l'intérieur de la parenthèse, je reconnais l'expression de uθ. D'accord? Ça veut dire que quand je dérive ur par rapport au temps, eh bien, j'obtiens dθ sur dt, uθ. C'est-à-dire, encore une fois, j'ai dérivé un vecteur unitaire et ça revient à avoir fait une rotation de pi sur 2 par rapport à la direction de ce vecteur unitaire. Donc, je dérive ur, je tombe sur la direction de uθ qui est perpendiculaire à ur. Alors, je remplace dans mon expression de la vitesse. Donc, le premier terme ne change pas. Dérivée de r par rapport au temps ur plus r à la place de la dérivée de ur. Je mets dθ sur dt uθ. C'est bon. Et j'ai deux composantes. Une composante que je vais appeler la composante radiale et une deuxième composante que je vais appeler la composante transversale ou orthoradiale. Alors, les deux ensemble, c'est ce qu'on appelle les composantes polaires de la vitesse. Alors, évidemment, comme elles sont perpendiculaires entre elles, eh bien, le module de V, ça sera la racine carrée de Vr carré plus Vθ carré. C'est bon? Et je vous ai dessiné des projections sur les directions radiales et transversales de deux situations possibles pour l'orientation d'un vecteur vitesse. Alors, par exemple, si l'objet tourne dans ce sens et que sa vitesse est vers le haut ici, alors je vous rappelle que la vitesse est toujours tangente à la trajectoire, d'accord? Eh bien, je vais avoir sur la direction radiale, alors je dessine mes deux directions, la direction radiale et la direction transversale, et je décompose mon vecteur vitesse. Donc, je projette ici, j'ai Vr, je projette sur la direction transversale et j'ai Vθ. D'accord? Alors, dans cette situation, eh bien, si je compare à l'orientation des vecteurs UR et Uθ, eh bien, ça veut dire que la mesure algébrique de Vr ici va être négative, puisque Vr est de sens opposé à UR, et la mesure algébrique de Vθ va être positive, puisque le sens de Vθ est le même que le sens de Uθ. Ça va? Alors, j'ai dessiné l'autre possibilité, c'est que l'objet tourne dans ce sens-là, vers la droite. Donc, le vecteur vitesse, qui est toujours tangent à la trajectoire, va être orienté vers le bas. Je dessine la direction radiale et la direction transversale. Et je décompose V. Alors, sur la direction radiale, je vais avoir Vr. Et sur la direction transversale, je vais avoir Vθ. C'est bon? Donc, Vr, composante radiale, et Vθ, composante transversale. Alors, je regarde le signe des mesures algébriques. Vr est dans le sens de Ur, donc la mesure algébrique de ce vecteur est positive. Vθ est de sens opposé à Uθ, donc la mesure algébrique de ce vecteur Vθ est négative. C'est bon? Madame, un homme n'est pas possible. Oui, et puis après on verra, ça c'est pour un mouvement curviligne quelconque, on verra tout à l'heure l'exemple du mouvement circulaire. Alors, on passe au vecteur accélération.
Alors, le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Donc, j'aurais écrit l'expression qu'on a trouvée pour le vecteur vitesse. Donc, la composante radiale qui est dr sur dt ur et la composante transversale qui est r dθ sur dt uθ. C'est bon? Alors, je dois dériver cette expression. Alors, ça veut dire que je dois dériver le premier terme plus la dérivée du second terme. Donc, j'ai réécrit ma somme de dérivées. Alors, premier terme, j'ai un produit dr sur dt par le vecteur ur. Alors, je dérive d'abord le premier terme, donc dérivée seconde de r par rapport au temps, multiplié par ur, plus, cette fois je garde le premier terme et je dérive le deuxième. Donc j'ai dr sur dt, dur sur dt. C'est bon? Ça, c'est la première parenthèse, c'est la dérivée de cette composante-là, la composante radiale. C'est bon? Tout le monde est d'accord? Alors, on passe maintenant à la dérivée de la deuxième composante. Alors, il se trouve ici que j'ai un produit de trois facteurs. Alors, c'est quoi la règle de dérivation? Eh bien, la règle de dérivation, c'est qu'on dérive un seul facteur à la fois. Je vais dériver R, je multiplie par les deux autres. Ensuite, je dérive le second, je multiplie par le premier et le troisième. Et ensuite, je dérive le troisième et je multiplie par le premier et le deuxième. D'accord? À chaque fois, je ne dérive qu'un seul facteur à la fois et je garde les deux autres tels quels. Alors, on y va. Je dérive le premier terme. Donc, dérivée de R par rapport au temps et je garde les deux autres. Dérivée de θ multiplié par Uθ. C'est bon? Plus, je garde le premier et le troisième et je dérive le second. Donc j'ai R, dérivée seconde de θ, Uθ. Et j'ajoute, dernier terme, je garde le premier et le deuxième et je dérive le troisième. Donc R, dθ sur dt, duθ sur dt. C'est bon? Tout le monde a suivi la dérivation de chacun des termes. Alors maintenant, qu'est-ce qui me pose problème dans cette expression? Eh bien, tous les termes en dérivée d'un vecteur unitaire me posent problème. Donc, j'ai la dérivée de UR par rapport au temps et j'ai la dérivée de Uθ par rapport au temps. Donc, je trouve un moyen d'écrire ça. Soit en fonction de UR, soit en fonction de Uθ. Alors, je sais déjà, parce que je l'ai fait quand j'ai calculé mes composantes du vecteur vitesse, je sais que la dérivée de UR par rapport au temps, c'est dθ sur dt, Uθ. Donc, j'en ai déjà un, j'ai ce terme-là qui est réglé, je sais que c'est dθ sur dt, Uθ. Alors maintenant, eh bien, je vais chercher la dérivée de Uθ par rapport au temps. Alors, je l'écris. Le vecteur Uθ, qu'est-ce que j'avais trouvé comme vecteur Uθ? Uθ, c'était moins sinus θi plus cosinus θj. C'est bon? Je vous rappelle que c'était le module de Uθ cosinus θ plus pi sur 2i. Donc, j'ai décomposé mon vecteur Uθ sur l'axe OX et l'axe OY et ça m'a donné cosinus θ plus pi sur 2i plus sinus θ plus pi sur 2j. Et comme le cosinus θ plus pi sur 2, c'est moins sinus θ et que le sinus θ plus pi sur 2, c'est cosinus θ, eh bien, Uθ, c'est moins sinus θi plus cosinus θj. D'accord? Donc je remplace. Je remplace et je vais dériver ça. Alors, qu'est-ce que ça me donne? La dérivée de moins sinus θ, c'est la dérivée, alors par rapport au temps, hein,
c'est la dérivée de moins sinus θ par rapport à θ multiplié par la dérivée de θ par rapport au temps. Alors, la dérivée de moins sinus θ, c'est moins cosinus θ, dθ sur dti. Et ce terme-là, eh bien, la dérivée de cosinus θ par rapport au temps, c'est la dérivée de cosinus θ par rapport à θ multiplié par la dérivée de θ par rapport au temps. C'est-à-dire que c'est moins sinus θ, dθ sur dt, j. Alors, je peux mettre moins dθ sur dt en facteur et ce que j'ai à l'intérieur de la parenthèse, c'est cosinus θ i plus sinus θ j. Or, cette quantité-là, eh bien, c'est le vecteur UR. D'accord? Alors, je l'ai écrit ici. Le vecteur UR, c'est cosinus θ i plus sinus θ j. C'est ici, hein? Et donc, le résultat auquel j'ai abouti, c'est que la dérivée du vecteur unitaire uθ, c'est moins dθ sur dt ur. C'est-à-dire que, encore une fois, si je dérive le vecteur unitaire uθ, eh bien, j'ai encore tourné d'un angle pi sur 2. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans la direction de moins ur. C'est normal, hein? Je suis partie de UR, j'ai dérivé UR, je suis tombée sur la direction de Uθ, donc j'ai tourné de pi sur 2, et je dérive Uθ, je tombe sur la direction de moins UR, c'est-à-dire que j'ai encore une fois tourné d'un angle pi sur 2. Voilà, alors maintenant, ben je remplace dans cette expression, je remplace la dérivée de UR par dθ sur dt uθ. D'accord? Alors, je suis ici. Hein? Donc, la voici. Et je remplace dUθ sur dt par moins dθ sur dt ur. Donc, dans cette expression-là, j'ai r dθ multiplié par moins dθ sur dt ur. C'est bon? Bon, maintenant, tous les termes s'expriment soit en fonction du vecteur unitaire UR, soit en fonction du vecteur unitaire Uθ. Et bien, je regroupe les termes en UR et je regroupe les termes en Uθ. Qu'est-ce que j'ai? En UR, j'ai ce terme-là et celui-là. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que ce terme? Eh bien, j'ai le signe moins que je peux sortir là. Je vais avoir moins R dθ sur dt multiplié par dθ sur dt, c'est-à-dire dθ sur dt au carré multiplié par UR. Alors, on y va. J'ai donc ce terme-là plus celui-là, c'est-à-dire dérivée seconde de R par rapport au temps, moins R multiplié par la dérivée de θ au carré. Alors, le tout multiplié par le vecteur unitaire UR. Alors, dans la direction du vecteur Uθ, qu'est-ce que j'ai? J'ai ce terme, celui-là et celui-là. Alors, ces deux termes sont égaux. Donc, j'ai deux fois le produit de la dérivée de R par la dérivée de θ plus R dérivée seconde de θ par rapport au temps, Uθ. Voilà. Donc, j'ai une nouvelle fois un vecteur qui s'écrit en fonction de ses composantes polaires. Donc, une composante radiale qui sera cette composante-là. Donc, dérivée seconde de R par rapport au temps moins R dérivée de θ par rapport au temps au carré multiplié par UR. C'est ce qu'on va appeler la composante radiale de l'accélération. Et Aθ, qui sera ce terme-là, donc deux fois le produit des dérivées de R et de θ par rapport au temps, plus R, dérivée seconde de θ par rapport au temps, Uθ. C'est ce qu'on va appeler
la composante transversale ou orthoradiale de l'accélération. Alors, les deux ensemble, c'est ce qu'on appelle les composantes polaires de l'accélération. Madame. Oui. Madame, dans les exercices, il faut la démontrer ou on utilise directement ces résultats? Non, vous pouvez l'utiliser directement. D'accord, merci. De rien. Alors, le module de A, eh bien, ça sera la racine carrée de AR carré plus ATH carré, oui? Du coup, on n'est pas obligé d'apprendre toute cette démonstration. Non, vous n'êtes pas obligé, mais c'est quand même important que vous sachiez d'où ça vient. D'accord? Voilà. Alors, application. Eh bien, on va appliquer ça à un mouvement circulaire. Alors, qu'est-ce qu'on a dans un mouvement circulaire? Eh bien, on a une position M. Alors, je définis mon axe OX que j'ai oublié de représenter ici. D'accord? Le rayon que j'ai dessiné, il est sur l'axe OX. Ça sera ça, ma direction fixe qui me permet d'avoir tous les angles et l'orientation des vecteurs UR et Uθ. Alors, qu'est-ce que j'ai pour le vecteur position? Eh bien, le vecteur position, ça sera… Alors, c'est le vecteur qui va du point O au point M. Il a pour module le rayon. Il a la direction du vecteur UR et le sens du vecteur UR. Donc, j'écris que OM, c'est plus RUR. D'accord? Le vecteur vitesse, eh bien, j'applique le résultat que j'ai obtenu, hein, pour le vecteur vitesse. Eh bien, j'ai trouvé que j'ai la composante radiale qui est la dérivée de R par rapport au temps et la composante transversale qui est R par la dérivée de θ par rapport au temps. Eh bien, ici, j'ai donc la dérivée de R UR plus R dθ sur dt. Je vous rappelle que mon petit r sur un mouvement circulaire, c'est le rayon du cercle. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? C'est que sur un cercle, eh bien, R est toujours constant. La coordonnée polaire R est constante puisqu'elle vaut le rayon du cercle. Donc, ça veut dire que sa dérivée est égale à zéro. Et la seule composante qui me reste, c'est la composante transversale. C'est-à-dire que j'ai V égale R dθ sur dt Uθ. Et dθ sur dt, je sais ce que c'est. La dérivée de l'angle, eh bien, c'est la vitesse angulaire. Donc, V, c'est R oméga Uθ. Alors, ça veut dire que V, la vitesse, n'a pas de composante suivant la direction radiale. Alors, attention, c'est valable que pour un cercle. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, on a dessiné les composantes radiales et transversales pour un mouvement curviligne quelconque. Elles existent toutes les deux. Par contre, dans un mouvement circulaire, parce que le rayon est constant, il n'y a pas de composante radiale. La seule composante qui existe, c'est la composante transversale. Et vous voyez encore une fois que le vecteur vitesse est bien tangent à la trajectoire puisqu'il est perpendiculaire au rayon. Il donne la direction radiale. Alors, le vecteur accélération maintenant. Ben, j'aurais écrit le résultat qu'on vient d'obtenir en mettant que R, c'est le rayon du cercle. D'accord? Donc, j'ai dérivée seconde de R par rapport au temps, moins R dθ sur dt au carré UR, plus deux fois la dérivée de R par la dérivée de θ, plus R dérivée seconde de θ par rapport au temps. Alors, qu'est-ce que j'ai de particulier? Le rayon étant constant, sa dérivée est nulle, sa dérivée seconde est nulle aussi. Donc, ce terme-là n'existe pas. Ce terme-là n'existe pas non plus. Donc, j'ai A égale à moins R dθ sur dt, c'est oméga. Donc, moins R oméga carré UR, plus ce terme disparaît. Il me reste R
dérivée seconde de θ par rapport au temps, c'est-à-dire l'accélération angulaire, donc r multiplié par l'accélération angulaire uθ. Et bien entendu, si le mouvement est circulaire uniforme, eh bien ça veut dire que sa vitesse angulaire est constante, donc son accélération angulaire est nulle. Eh bien, la seule composante qui existe, ce sera la composante radiale, donc A égale à moins R oméga carré UR. Voilà, on a terminé le chapitre cinématique. On va pouvoir Madame, s'il vous plaît, vous pouvez oui. nous envoyer le cours, s'il vous plaît. Ah oui, maintenant que le chapitre est fini, je vous l'envoie. Madame, oui. S'il vous plaît, tout en haut, un peu plus haut, vous aviez dit que si on change de point, le vecteur tournant UR change. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il change pas parce qu'on a changé d'angle ou c'est comment il dépend de quoi en fait? Parce qu'il donne toujours la direction radiale et la direction radiale, elle est toujours pointée vers la position à laquelle vous vous trouvez. Si mon point M, au lieu qu'il soit ici, je le mets là, et bien vous voyez bien que la direction du vecteur position, la direction radiale, c'est toujours la direction du vecteur position. D'accord? Vous avez une origine qui est toujours la même et vous changez de position sur la trajectoire. Donc, la direction du vecteur position, eh bien, elle change à chaque fois que vous changez de position. Donc, la direction radiale change. Donc, ça veut dire que le vecteur UR est un vecteur qui a une direction qui change au cours du temps. À chaque fois que vous êtes à une nouvelle position, le vecteur UR a une nouvelle orientation. J'ai répondu à votre question ou pas? Oui, merci beaucoup. D'accord, de rien. Voilà, et ben, je vous laisse vous déconnecter. Rendez-vous tout à l'heure. Oui. Pourquoi il n'y a pas une vitesse radiale dans le mouvement circulaire? Pourquoi il n'y a pas de vitesse radiale dans le mouvement circulaire? Dans le mouvement circulaire. Oui, j'ai bien compris. J'ai compris votre question. Je l'ai noté ici. C'est parce que le terme que j'ai surligné en jaune ici, il est nul puisque le rayon d'un cercle, par définition, le rayon d'un cercle, c'est quelque chose de constant. Donc, sa dérivée par rapport au temps est égale à zéro. Donc, il n'y a pas de composante radiale pour la vitesse dans un mouvement circulaire. Mais s'il existe la vitesse augmentée dans le mouvement circulaire? J'ai pas dit que la vitesse était constante. Hein. J'ai dit que le rayon est constant et que par conséquent, la composante radiale n'existe pas. Parce que la composante radiale, c'est dr sur dt ur. Donc, si r change, eh bien, cette composante radiale existe. Si r ne change pas, la composante radiale ne peut pas exister. OK. Mais ça ne veut pas dire que la vitesse ne change pas. Hein. Ça apparaît dans le deuxième terme. Le fait que le module de la vitesse change, ça va apparaître dans le second terme. Madame, on ne sera pas obligé de démontrer ces lois. Non, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez retenir tous les résultats que j'ai mis en rouge. Vous pouvez les retenir sans avoir à les démontrer, sauf que il peut arriver dans un exercice qu'on vous demande de démontrer que les composantes, par exemple, que les composantes de l'accélération, c'est ça. Voilà. Madame, oméga et alpha sont donnés ou là? Oméga et alpha, oui, soit ils sont donnés, soit vous avez les moyens de les trouver. Eh bien, oméga, c'est V sur R. Par exemple, si vous êtes dans un mouvement circulaire, oméga, c'est V sur R.
et alpha, c'est AT sur R. C'est-à-dire que vous avez un autre moyen de retomber sur soit oméga, soit alpha. Alors, soit on vous les donne directement dans l'exercice, soit vous connaissez des grandeurs qui peuvent vous permettre de les trouver. Madame, s'il vous plaît, vous pourrez me réexpliquer l'accélération dans le mouvement curvilé? L'accélération dans le mouvement curviligne. Vous voulez que je On a reprenne quoi? le oméga. Vous voulez que je reprenne quoi? Les coordonnées polaires ou les coordonnées intrinsèques? Intrinsèque, mal, s'il vous plaît. Là, on est arrivé à la fin de la séance. Alors, ce que je vous propose, c'est que je Non, madame, je mettrai. veux juste revoir. Je veux juste revoir. Ah, vous voulez revoir quoi? Le texte, mais je vais vous l'envoyer, le texte. C'est ça que vous voulez revoir? Mais je vous envoie le PDF. Cet Ok, après-midi, je vous l'envoie. Et puis, vous avez la vidéo qui sera, je vous mettrai le lien. Donc, vous regardez la vidéo, vous aurez votre PDF sous les yeux. Si vous n'arrivez toujours pas à comprendre, vous m'envoyez un mail et puis on en reparle au prochain cours. La semaine prochaine, je referai un petit point là-dessus si c'est toujours pas clair. D'accord? Ok, merci. Mais prévenez-moi pour que je puisse le prévoir dans le déroulement du cours et qu'on ne perde pas trop de temps sur la dynamique. D'accord? Soit vous m'envoyez un mail, soit vous me mettez un commentaire dans la Classroom. Madame, vous pouvez m'envoyer le lien de la classe. Alors, attendez une petite minute. Vous êtes qui? Madame, c'est moi, la GZR. D'accord. Alors, comment je peux vous l'envoyer? Attendez. C'est bon, c'est bon. C'est bon, vous l'avez? Quelqu'un vous l'a envoyé? Oui, madame. D'accord. Madame, Ok. l'examen de MP d'user en ligne. On a demandé à ce que ce soit en présentiel.